C'est pas quoi faire pour avoir du son.
la souris. OK. Je vais la peau fermée, regarde, elle s'en met dessus. Mais non, c'est correct. Chaque personne. Mais ça, il va falloir que ça marche mieux que ça, là, parce que sinon, c'est pas... lundi matin, on a espoir d'avoir une réponse. Puis lundi matin, on n'a pas de réponse. Lundi midi, on n'avait pas de réponse. Lundi soir, on a communiqué. Puis là, à l'heure qui est là, c'est qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'entente. Dans la négociation, il y avait jeudi, vendredi passé et mardi prochain, le 20. Mardi, le 20 septembre, qui était cédulé avec le juge pour jouer avec les négociations. Donc là, est-ce que c'est une game qui se joue? Je ne sais pas. C'est sauf qu'à l'heure qui est là, on n'a pas. À l'heure qui est là, nos avocats et Mme Aubé ont commencé à travailler pour un procès qui commence le 3 octobre. Un procès qui va coûter entre 200 000 et 300 000 de coûts. Divisé entre les parties, bien sûr, mais c'est ce qui va coûter si on s'en va là. Fait que moi, c'est l'information que je vais à vous donner ce soir. Puis, je dis, la réunion à soir a l'air à être plate, là, mais je dis, c'est le point principal parce que les autres, ils nous avaient dit, si on a une réponse lundi matin, il faut que vous nous répondiez rapidement pour qu'on puisse boucler. Moi, j'avais dit à Mme Aubé, qu'on ait une réunion pour jouer du soir. Fait que, est-ce qu'il y a des questions, monsieur le conseiller, sur ce point? Au point 6, demande. De FRR volet 4. FRR volet 4, c'est une demande de 100 000 $ qu'on pourrait aller chercher en subvention pour faire des études dans le dossier du développement résidentiel. Il y a des études qui doivent être faites au niveau de la pression de l'eau, entre autres, au niveau du sol, est-ce qu'il y a du roc, des places qui pourraient être possibles ou pas. C'est vague, qu'est-ce qu'on a comme étude, mais il va falloir le préciser. Mais là, il faut faire la demande, parce que la demande va être, faut qu'elle soit déposée avant. La décision va se prendre le 6 octobre. Il faut que la demande soit déposée avant, pour qu'elle soit étudiée, pour que la décision, si on est éligible au volet FRR, volet 4, elle va être décidée le 6 octobre. Est-ce qu'avec l'information que vous avez, est-ce que vous avez des papiers devant vous? Est-ce que vous avez des questions, monsieur dame? On va déposer des demandes d'études, mais on n'a pas l'obligation de le faire, même si on voit que c'est trop exorbitant comme coût. On n'a pas l'obligation de le faire. Mais on va demander pour avoir le maximum de subventions. Le maximum de subventions, c'est 100 000 $. Il faut que la municipalité mette 25 % des coûts. Ça veut dire qu'il faut avoir des investissements de 125 000 pour aller chercher le 100 000. Comme on dit, c'est qu'on donne le OK, on donne le go, puis si on décide de faire des études, puis finalement ça dépasse, qu'on décide de reculer, puis on a toujours le droit de le faire. C'est bien ça? Vous comprenez? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas bon, là. On avait déjà débrouillé pas trop mal. On va vous demander, Eric. Oui. Christian. Oui. Et Guy. Oui. Période de questions. Oui. Pour le DG, est-ce que vous essayez de recontacter les autres candidatures que vous étiez pour ça? On a eu la réponse à soir. On a eu la réponse, là. Je peux te donner l'heure précise. On a eu la réponse. 16h26. Et dans le fond, tu as la question, c'est parce que tu avais tous les gros affichages. Les autres qui avaient posé les candidatures, il y avait peut-être une deuxième personne intéressante ou trois, tu sais. Il y en a des gens. On est à regarder. On n'a comme pas le choix. On a la réponse qui est là, puis on est obligé de pousser pour avoir la réponse. Parce que nous autres, c'est sûr qu'il y a une décision qui se prend à soir. Là, de l'autre côté, ben, on verra. Là, il y a une proposition qui est sur la table. On verra jusqu'où ce qu'on va. Puis, moi, mon avis à moi personnel, c'est, je pense que c'est pas moi qui je suis pas tout seul d'avoir cet avis-là. Là. Que ce soit un DG, que ce soit n'importe quel employé, quand on a des contacts en quelque part, qu'on a des connaissances, des contacts en quelque part, d'aller voir. Parce que c'est sûr et certain que les mondes ont des jobs et de comme ça. Mais quand on est en contact, faut essayer d'aller les chercher. Si vous autres, des membres du conseil, vous avez des contacts, vous avez quelqu'un que vous pensez que peut-être qu'il y aurait du potentiel, on est ouvert à tout. C'est jusque-là, là, OK, là,
On a la réponse qu'on a à soir. Moi, je pensais que la réponse à soir serait positive, mais négative. Autre question? Oui. Dans le FIR, trois vitesses de sol, c'est-tu possibilité d'aller chercher plusieurs emplacements ou juste... Oui. Bon, nous, on va faire le test d'eau pour avoir la pression de la 4e avenue en montant. Puis que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, l'eau n'a pas de problème, on sait qu'on va avoir la pression, mais que ce soit n'importe où avenue sur le périmètre urbain de la 4e avenue, on va s'organiser pour savoir la pression, où est-ce qu'elle va être, puis être sûr que nos bonnes fontaines, s'il y a une rue qui se fait, ben, que les bonnes fontaines réussissent à avoir de l'eau pour qu'on soit confort. Okay. Au niveau du sol, ben, peut-être qu'on aura une décision à prendre. C'est pour ça qu'on a dit qu'il va falloir probablement qu'on prendra des décisions. Prendre une décision, ben, on prend un secteur, on l'enligne, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on fait? Les offres ont été faites, il y a eu des rencontres de fait avec les propriétaires de terrain. On a eu des lettres qui ont été envoyées, on n'a pas de réponse de personne. S'il n'y a pas personne qui en veut, ben, notre étude sera faite pour dans 20 ans. Dans 20 ans, quand il y aura quelqu'un qui sera mieux puis qui décidera de développer des terrains résidentiels, ben, il y aura cette étude-là. Moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça. Moi, je ne suis vraiment pas capable d'aller plus loin que ça. Il y a des potentiels de terrain hors périmètre urbain. Ouais, est-ce qu'on a besoin d'études de sol, on a besoin d'études d'eau, on l'a. Puis personne offre ses terrains avant. Fait que, allez, on ne chicanera pas. Là. Moi, je suis rendu à dire, ben, on va penser pour l'avenir, puis le fruit, il va mûrir. Parce que si on regarde le 15 ans en cours, il y a des fois du développement, puis une fois qu'on a misé. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je suis très énormément surpris à la réunion de la MRC à entendre dire qu'à l'heure qui est là, il y a un terrain qui se vend au-dessus de 100 000 $ pour la frontière. Je dis, Caroline, à Saint-Paul, on fait quoi à Saint-Paul? Autre question? Merci. Proposeur pour lever l'Assemblée? Propose. Christian, secondé 2. Je vais seconder. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci de votre présence. Puis merci de votre présence.